Hello, bienvenue sur la chaîne de Fire pour ce troisième épisode de The Eye of a Dragon. Donc, nous allons réparer la ville avant de partir, parce que sinon ça peut être une catastrophe. Il y a une invasion à The Hall. La ville est en train de Klaxos. On va essayer de sauver la ville. J'envoie des petits tirs parce que j'ai peur d'abîmer la ville. Parce que certes, c'est un truc auto-guidé, mais le monstre bouge énormément. Voilà. On va réparer la ville, l'améliorer deux fois, parce qu'on a l'artefact qui permet d'améliorer les villes maintenant. Donc on peut revenir sur d'anciennes zones pour sauver. Enfin, sauver. Améliorer, mais aussi sauver au passage si elle a besoin d'être sauvée. Et on va partir faire. C'est comment le nom? Quigor. Oh. Ah oui, c'est vrai, il y avait une sorte d'île dégueulasse. Je vais tenter de foutre le feu à ce tas de monstres. Et je vais faire mon étoile de dingue dessus. Je l'ai défoncé, mais alors je suis en train de crever par contre. Je suis tombé à 20% de vie. J'ai fait mes deux meilleures sorts sur lui. Et c'est pour ça. C'est pour ça que je joue beaucoup les sorts. Force de régénération. À lancer sur eux-mêmes pour augmenter la vitesse de régénération pendant la durée du sort. Tu vois, ça c'est gadgets pour rendre la vie plus facile. En revanche, boule de feu, tu vois, c'est plus sympa déjà, quoi. On va remettre des points de vie. Je vais mettre un peu de mana, vas-y, je suis un ouf. Parce que là, ça c'était un boss, hein, mais bon. Il a quand même tanké. Il a quand même tanké mes deux meilleurs sorts. Un qui fait 160 et l'autre qui fait un dot pas mal. Tac. Ah, et là on a la Firestone. Je pensais que c'était ce premier sort qu'on avait. Et donc l'objectif pour changer. C'est encore nettoyer la zone. On va faire un geyser au milieu, il y a trop de plantes. J'ai pas envie de me faire chier de faire des boules de feu une à une. Vas-y, nettoie-moi tout ça. Ah! À The Hall, ils ont réussi à repousser l'attaque. Oh là. En deux boules de feu, je casse une antre maintenant. Je sens que c'est les premiers. Tu caisses tout super vite. Ah, vous voyez, là, il y a des monstres qui sont pas d'origine de la zone. Parce qu'ils sont venus de... comment ça s'appelle en anglais? Goldwood. Oh, c'est le truc, il a poussé devant moi, quoi. Ça, c'est un affront. Ça mérite un pyroblast. Encore d'autres antres. J'en compte une, deux, trois là. Il y en a plus de souffle et tous mes sorts sont en charge en plus. Gros problème du guerrier, comme dans tous les RPG, c'est que sa mana, mais pue la chiasse quoi. Mais vraiment, c'est un zéro pointé quoi. Je vais manger une cheatée de bestiole. Je me souviens que les monstres là, celui que je viens de choper, c'était un monstre neutre. Et je me souviens que dans la démo, si tu le tuais, il te donnait 50 points d'expérience. J'avais tellement poncé la démo que je savais que si tu tuais un monstre neutre, donc qui n'est même pas pris en compte par la visée automatique, il te donnait de l'expérience. Parce que je voulais voir les sorts d'après et augmenter, être au meilleur niveau. Avoir le meilleur level. Oh là, je viens seulement de récupérer Geyser. Mon sort le plus bas en mana quoi. Et je le fais parce que j'adore. Prends compte que le Geyser c'est le premier sort, je le trouve trop stylé quoi. Ça fait des petits trous, ça fait du terraforming.
Oh, mais encore une antre qui est apparue là-bas? Sérieux? Ah, trop de monstres, je joue au clic parce que la visée automatique déconne quand il y a trop de cibles. Ah, voilà, ça c'était la dernière ronde. Le monstre explose quoi. Ici, tu peux te permettre de faire n'importe quoi vu qu'il n'y a pas de pilier d'énergie. Donc tu peux faire exploser tous les monstres, tu t'en fous en vrai. Alors, ouais. Ah, oh, détruisez toutes les dents et tuez tous les monstres. Ça peut être long par contre. Alors, on va voir si mes souvenirs sont bons. Ouais, ça donnait l'expérience. Les monstres de donner l'expérience. Je l'avais un peu oublié ça en vrai. C'est les petits flashbacks que tu récupères quand tu refais un jeu très très vieux. Ouais. Que t'as vraiment poncé, tu sais, tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai tout oublié, je suis bon à rien. Et quand tu recommences, t'sais, ça revient comme si. Ouais. Comme si tu y avais joué hier. Oh, Méditerranée, Nouvel An, c'est une blague. Je one-shot les plantes sans être chargé à fond maintenant. Alors, c'est lequel qui a repoussé? Bah, voyons, un que j'ai déjà pété plusieurs fois. Mais tu sais quoi? Je vais faire mon étoile de ouf, là. One shot, one shot, one shot. Oh non, ça a pas touché les deux. Je vais tous me les faire, hein. Je vais tous me les faire s'il faut. Le souffle se fait sentir. Allez, il en reste combien là? Est-ce que j'ai un sort pour détecter les... Pour détecter les antres. J'ai pas encore celui pour détecter les monstres. Oui, c'est horrible, je vais devoir une plante et elle bouge, c'est génial. Oh, l'affront! Geyser qui a cassé l'antre. J'aime bien, tu sais, tu lances un sort, puis tu vois le petit message. Il n'y a plus d'antre dans cette zone. Ah. Ça veut dire que ça fait le café. On va bientôt être bon, logiquement, hein. Les arbres. Je veux pas faire mes gros sorts sur un pauvre monstre qui est paumé, je sais que ça me prend une plombe de le recharger le sort. La visée auto, c'est plutôt utile dans ce genre de situation. Je one-shot les petites araignées. Il n'y a plus aucun monstre. Le jeu m'a donné 6000 points d'expérience. Queen Gore, il s'appelle. La régénération, en vrai, je vais pas la prendre, par contre. Je vais remettre 2 points de mana, parce que je suis un ouf. Je vais jouer le guerrier mage. Parce qu'en vrai, les sorts sont trop cool. Nous n'avons pas entendu parler du trou depuis un moment. Les gens sont inquiets. Si la ville que vous avez construite est toujours... safe, toujours saine et sauve. Faudrait la réparer et l'améliorer au niveau 3 et casser toutes les ondes de monstres. Mais attends, gars, c'est pas déjà fait ça?
Faut tuer les monstres aussi? Allez, réparer. Alors, réparer, et si vous pouvez améliorer la ville au niveau 3, et bien sûr tuer tous les monstres. Oh là là. Oh, ouais, faut faire la chasse aux monstres. Ah! Ah bah apparemment c'était déjà bon. Votre prochaine destination est appelée Phara. Votre Majesté nous envoie un régiment pour aller y réclamer contre nos adversaires. Et c'était il y a plus d'une semaine. Nous n'avons pas entendu... Ok, le mec s'est barré. Ok. Et ben on va commencer Phara vu que la vidéo était un peu courte. Ah! Ah oui! Et pas des sortes de trolls! C'est là où il y a les... Oh là, il y a du rouge partout sur la minimap. Alors, Phara... Si, si, si. Ouais, il y a des sortes de trolls, là, de sauvages. Oui, alors là, c'est le festival aux projectiles dans cette zone. Les sortes de chamans, là. Ah, il est trop joli, le petit moulin. Les sortes de chamans, là, eux, si tu te fais toucher, t'es ralenti. Et ça peut mettre fin à ta partie. On va commencer à nettoyer. Hop, étoile. Oh, il est vraiment ouf ce soir. Voilà, t'es ralenti comme ça. Et alors ça fait des morts par contre. Parce qu'ils te ralentissent et les zombies en profitent pour te faire le cul. Les chamans, faut vite se les faire. Le problème, c'est qu'ils courent. Mais ils courent, mais genre... leur vie en dépend, quoi. Attends, je vais faire F10. Je vais essayer de shooter le chaman. Putain. Bon, on va diminuer la vitesse du jeu, je puisse bien me... Alors, le chaman, il est là. Voilà, j'ai visé. Hop. Voilà. Et il donne que 150 points d'expérience. Il donne à peine plus qu'une plante. Et eux, ils peuvent te tuer, hein, mais vraiment, c'est un truc de ouf. Allez, on fait une ville, je suis un malade. Allez, ça, c'est un camp ennemi, tu vois. On dirait pas comme ça. Hein. Fous-moi le feu, tout ça. Et ça fait très conquistador comme dialogue, je sais. Je vais même en faire un geyser. Je vais pas vous mentir. J'ai très peu d'espoir concernant la survie de cette ville. Oh, balle de gemme. Allez, ici, il y a des sortes de sauvages avec des épées, là. Eux, ils s'éclatent, hein. C'est Noël pour eux, là, d'avoir des cibles. Ça fait 300 ans qu'il a pas eu de cible, il voit Fire qui construit une ville. C'est le moment. Ça, c'est purement l'unité anti-ville. Il y en a pas mal. Alors là, je me suis fait blinder le cul et en plus, je suis ralenti. Putain, le truc, t'es immobilisé, quoi. Dangereux les chamans, très 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 dangereux. Je vais me soigner. Là faut, on commence la période où faut vraiment jouer avec la vie, non. On va faire une save. Parce que là ça a vite de mourir. En général tu. Voilà, vous avez vu cette esquive, n'hésitez pas à clipper. Ben, c'est ce petit truc-là. Faut viser un peu avant. Putain, mais il fait que tourner le salaud, quoi. Le villageois qui lui jette des cailloux sur la gueule. Vas-y, chope-le, chope-le, chope-le. C'est la merde. Comment c'est trop la merde. Non. Je déteste les chamans. T'es immobilisé en vrai. Hop, allez. Vous allez pouvoir la ville. Voir la ville niveau 2. Parce que je vous ai toujours montré le niveau 3. Le pilier change aussi, hein.
le pilier change de niveau en niveau, je trouve ça génial que les devs se soient fait chier jusqu'à là. Ah, tu vois, il y a un joli camp là. Je vois un chaman. Oh, je vais peut-être. Oh, ok, il y avait trois chamans. Là, faut prendre de l'altitude. C'est ça qui est magnifique, c'est que tu sais, t'es ralenti. Mais en fait, le jeu ralentit ta vitesse de. Il ralentit ta vitesse de vol. Mais pas à la verticale. Ça, c'est le genre de panique. Quand tu sais pas quoi faire, tu te dis, je tente un truc. Ah, les chamans soignent aussi. T'y es fuite, allez, vire-moi ça. Je sais même pas quel bâtiment créer les chamans, c'est ça le pire. Parce qu'il y a trop de. Je vais me barrer, je pense qu'ils vont bientôt le refaire. Hein. Je vais me barrer, ils vont bientôt le refaire. Allez, vas-y, monte, Coco, monte. Donc je peux même pas tenter de sniper. Le paysage, trop cool quoi. Attends, c'est le moment thumbnail. Attends, je vais. Ah, la caméra, merde! Attends, je vais me mettre en mode vie, moi. Avec le soleil et tout. C'est le moment thumbnail. C'est le mec qui fait un let's play, qui s'arrête en plein milieu juste pour. Juste pour se trouver un joli thumbnail, quoi. Mais voilà. Ouais, donc je peux même pas tenter de sniper le Ken. Aïe. Vite, il faut jouer sur l'altitude parce que je vais me faire fumer sinon. Si tu fais des hauts-bas, voilà. T'esquives une bonne totalité des. F10. T'esquives une bonne totalité des projectiles. Voilà. Un cimetière en moins. Village de Zoulou là. Oula, la ville est endommagée à 25%. J'aimerais récupérer mon feu. Bientôt le feu là, bientôt. Voilà. Je vais le faire dans le tas. C'est quand même trois bâtiments, ça vaut le coup. Hop, on va essayer de réparer la ville. Parce qu'elle a l'air de s'en prendre, mais plein le cul quoi. Oups, je vais faire exploser le cadre, non? Je voulais réparer la ville, mais elle a dû prendre un coup. Meurs. Mais non! Laisse-moi réparer! Quoi? Oh non, mais il est sérieux, lui. Oui, ça y est, j'ai réparé la ville. Regardez courir! Ah, je vais t'avoir! Ah, il se soigne entre eux en plus. C'est ça qui est infâme, c'est qu'ils se soignent en plus entre eux. C'est comme si c'était pas des gènes, ils étaient assez chiantes. Ok, tac. C'est quasiment inesquivable en plus. Faut vraiment taper, mais un virage de malade. Merci pour la gemme. Allez, salut les nulos.
On va un peu se baisser. Non, 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 non. Putain de... Le moment où je dis on va se baisser, quoi. En plus, j'ai besoin de capturer un... J'ai besoin de manger. Comment ils se font spammer? J'aimerais bien un zoom intermédiaire. Ouais, niveau 3. Alors... Essayer de trouver le prochain camp. Non! Non mais t'as vu quoi? Et là c'est dangereux parce que là il y a les zombies. Le zombie tape fort. Ah là le zombie tape fort, ça fait deux fois qu'il me touche. Shaman plus zombie, c'est la première mort hein, sur ce jeu. Même si c'est un peu d'expérience je parle. Hein, c'est... Bon, voilà. Garde-moi, tu vois toutes les petites torches là, c'est des chamans. Déjà il y en a 4 là. Allez. Ça mérite une save. J'aimerais bien savoir c'est quel bâtiment qui crée les chamans. Il faut vraiment tomber dessus. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Je vais mourir. J'ai 6 points de vie sur 100. Bon, c'est pas grave, j'ai jeté mes sorts. C'est ce qui compte. Il n'y a pas une petite bestiole à manger, je envoie un petit zombie. Hein. Non! Ah bah voilà, première mort. Ah la vache, quoi. Je reviens pas. Déjà, je vais les bait, je vais voir. Ah, ok, j'en ai esquivé un. Allez, lancez vos merdes là. J'en ai esquivé deux. Et le troisième a touché. Oh putain! Oh ah, mais cette zone, je peux pas l'approcher quoi. Ok, bah écoute, on va nettoyer une zone un peu moins sévère. Et pourtant, j'ai mis des points dans les points de vie. C'est pas comme si j'étais parti à la zobe. Trop cool l'étoile, quoi. Gros dégâts. Méga lent, mais ça picote, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je te vois, là. Je te vois. Foiré. Et tu sais quoi? Je vais te dévorer le cul. À ne pas sortir sans contexte. Tu vois ces chamans, là, la con, là. Tu vois, ces gros bâtards, là. Ils ont un tam-tam et puis une baguette magique. Tiens, c'est à prendre en foire. Je vais me mettre trop vénère. Mais non. Ah, il répare les bâtiments aussi. Ouais, c'est ça, 10 points de vie. Il répare les bâtiments aussi. Je l'ai vu faire son sort de soin sur un bâtiment. Oh, comment c'est sale. Un peu dur la visée automatique sur eux, je sais pas pourquoi. Ok. Bon bah le coin là c'est le plus dur hein. C'est le plus dur. Je vais voir où s'en est la ville. Oh, y a un gros pack de monstres qui a bugué là-bas.
plus. Oh, ça sent la mort, ça. Pourquoi je suis en feu? Pourquoi je suis en feu? Il y a un truc qui m'a foutu le feu. Non. Oh! Alors là, j'ai perdu du... J'ai perdu énormément de temps, là, par contre. Est-ce qu'il faut que je refasse tout ça? Allez, je vais tenter de le bénir comme tout à l'heure. Pas facile, hein. Il est vraiment pas facile comme jeu, hein. C'est vraiment un jeu d'époque. Hein. Pourtant j'ai l'expérience d'avoir fini le jeu plusieurs fois, donc je découvre pas quoi. Je pense que c'est celle-là. Moi si je ferais apparaître un chaman, je la ferais apparaître dans celle-là. Si j'étais développeur. Ça vaut ce que ça vaut. Du coup, hop, on va gagner 10 points de vie. On va refaire le cimetière là-bas. Ok. On va retourner vers la ville. Je vais me soigner. Je vais me soigner au passage. Donc on va éviter ce pack là. Parce que... Clairement, ils ont la capacité pour me buter, ils l'ont déjà fait, ils le refont. Putain, mais ces chamans qui foutent le bordel, quoi. Mais... Ouais, un petit peu de soin. Attends, je veux juste descendre en altitude pour apprécier grandement la zone. Oh, puis en plus, là-haut que ça fait 10 à tout le monde, quoi. Tiens donc, la tour qui est sur le coin là où tous les monstres arrivent, elle a pris une étoile. À faire une salure. C'est dommage que le jeu ne fournisse pas un bouton de save. Parce qu'en vrai, j'en aurais bien besoin là. Alors, dans le coin au sud-est, j'y vais pas, c'est fait exprès. Parce que je sais que quand tu t'en approches, il y a un truc qui te mitraille la gueule. Tu t'approches, il te blinde. Ah, peut-être moins de chaman maintenant. Je vais vite m'en aller. Je fais deux sorts, je me barre. Le but, c'est pas la mort. Ce nombre de flèches, quoi. J'ai pas vu de torche. Ni de tir, donc c'est bon. Il y a les chamans. Oh non, il y en a un vite, là, faut se barrer. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça va être une nouvelle mort, ça. Pierre, t'as beau monter, descendre, le tir du chaman te touchera. Autant au bas pour les tirs classiques, tu peux esquiver easy. Chaman bête noire. Hein. J'avais dit de toute façon que ça ferait des morts. Ils sont vraiment pas simples. Il reste encore un camp. Sinon. Ah mais je vais un petit peu attendre. En vrai. Est-ce qu'il y en a un là de chaman? T'as vu le nombre de monstres, quoi. C'est un truc de ouf. C'est là que c'est bien de jouer le nécromancien, parce que tu sais, t'invoques tes monstres, tu te casses. Et en fait, ils font le ménage et t'as pas besoin de te prendre la tête sur quoi que ce soit d'autre. Ça m'a quand même touché. Abusé. Monte. Descends. Je vais refaire une mort.
chaman quoi. C'est bon. Allez, allez pépère. Allez pépère. Non. 22 points de vie. Le tir du chaman fait 10 piles. Donc ça pourra pas me finir. Ils sont trop stylés les musiques, je suis trop déçu de les avoir jamais entendues. Fera, la ville est attaquée. Je suis en rasbot, j'ai même pas fait gaffe. C'est un peu lent à régène à coup de 2 points de vie, hein, parce que bon. Vous avez beau être un. une peau d'écaille en armure. D'avoir une impressionnante capacité à la régénération, vous n'êtes pas immortel. Hein. T'as vu les chamans qui vont te shooter jusqu'à l'endroit où tu te régènes, quoi. C'est le Mr. X version Eye of the Dragon, quoi. Ils sont trop longs. Ils sont trop longs à régénérer les sorts. Tac. Allez. On est reparti en espérant qu'il n'y ait pas de putain de chaman sur le passage. Et ils m'ont mis le feu, regarde, je brûle. J'ai perdu. Une 20, 30, 40 points de vie à peu près. Je crois qu'il reste que celle-là. Hein. Après, il reste encore un chaman. Putain. J'ai plus l'étoile en plus. Il a l'air de se barrer, je vais en profiter. Pas assez de puissance de souffle. Merde, j'ai raté mon tir, je suis une prune. Ah oh là là. Pas finir la dernière entre. C'était pas la dernière, il y en a encore une. Non. Je vais faire un casse-croûte d'abord. Non, 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 on va pas se faire casse-croûte parce que là, ça tire trop. Prends la gemme de père. Donc il y en a encore. Il y a encore une entre de monstres. J'ai pas vu le message qui disait qu'il y en avait plus. Non. C'est pas l'objectif en plus. Oh non, 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 il y a le truc qui. Ah mais il y en a une là. Oh putain. Bien planqué hein. Bien planqué le cimetière. Voilà. Et c'était pas le dernier. Par contre j'ai pris un niveau. Franchement, 2 repoints de mana et je vais mettre de la vie. Je vais mettre un petit peu de tout. Normalement, le jeu fait une sauvegarde automatique dès que tu quittes une zone, dès que tu gagnes un niveau. Et je sais plus c'est quoi l'autre l'autre condition de la save automatique. Il en reste un. Il en reste un, je le vois pas du tout sur un minimap. Ah mais si, Leva, il est dans ce tas de merde. Non, 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 non. Non, 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 ah mais putain de... Ah mais oui, il y a une toute petite tente là. On va faire un petit F9 dans le tas là. Allez, petit F9 dans le tas. Crame-moi tout ça.
Je vais faire une étoile. Hop. Fume-moi la tente. Flingue le chaman au passage, ce serait cool. Voilà, parfait. Putain, mais il bouge trop vite, sans déconner, quoi. Vas-y, spam, 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 spam. Tu peux l'avoir, tu peux l'avoir, tu peux l'avoir, Bi. Encore un. Ouais. Mais quel bâtard, il a eu le temps de retirer, quoi. Sérieux. Bouffe du cancer au petit-déj, hein. Mais il bug quand t'as pas assez de vitesse, ce dragon. Voilà. Pour les gemmes, du moins. Ok. Bon, la ville tient, hein, correct. Allez, même niveau 4. Boum. Ah ouais, ça régène trop bien. Oh, maintenant. Il y a les tours à cailloux partout. Là, je vais faire une save, par contre, parce que il y a un truc très risqué. Voilà, parce que là, cette tour là-bas, en fait, a deux... Attends, non, pas le chaman, non, pas maintenant. Non, 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 non. Putain. Mais les chamans. Putain, en plus, le moment où je dis, c'est un truc super risqué. Voilà, il y a ça, voilà. J'ai perdu moitié de vie, hein. Bien joué, vous avez construit une tour. Le magicien m'a préparé un sort pour que vous puissiez détruire la tour du magicien. Bon bah déjà, je vais me soigner. Prenez le sort de la longue étoile que nous avons. Voilà, que nous avons fait exprès pour casser la tour à longue distance. Voilà. Allez, normalement... attends, je vais virer genre les geysers. Attends, je vais enlever tous les sorts qui consomment beaucoup de mana parce que je suis... je suis guerrier. Et je crois qu'il faut le faire plusieurs fois en plus, ce sort. C'est quoi la portée F12. Ouais, et là c'est un peu long, hein, donc... Je crois qu'il faut le faire 3 fois, non? Oh, faut le faire bien plus que 3 fois. Ah, pour le guerrier, c'est trop une pénalité. Un coup de 50 dégâts, ah, va falloir que je le fasse 10 fois. Et heureusement que je suis en vitesse x2, hein. Non, je vais faire une ellipse pour... T'as vu comment ça flingue les... Comment ça flingue les... Les mecs sur tapis qui récoltent, quoi. Ah, mais là, faut... Mais c'est bien, je sais exactement où je meurs si je m'approche trop. Je vais faire une ellipse, hein, parce que bon... C'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne. Ouais, 2000 points d'expérience. Et ça, faut le rapporter à la ville, je crois. Ouais. Il y a eu une invasion de monstres, il y a des sortes de gros démons dégueulasses qui ont attaqué la ville. Pendant que je faisais le con. Le spell that we finished with the last artifact, instant return. Your next task is rather unusual. The king recently declared that le roi a déclaré que tous les monstres étaient incompris, qu'il était possible d'avoir une entente paisible. Et que c'était possible parce que ça a déjà été fait dans un coin. Special kind of mount though to get through the enemy cordons, a roadrunner. There are wild roadrunners in Rockwood, so you need to get there. Ah, mais il nous demande d'aller capturer une monture pour aller faire la visite.
du royaume qui s'entend bien avec le monstre, avec les monstres. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va, on va faire une mini pause ici. Oh, ah oui, y a ces trucs dégueulasses qui volent! Alors ça, c'est une invasion. Ça, tu les détestes. C'est un monstre qui vole, qui empoisonne et qui spamme, histoire de... Voilà. On va réparer la ville. Allez, c'était Fire, ciao, à la prochaine!